Ces chiffres. Oh, c'est un compte à... Oh, satanée mission invisible. Vous avez sélectionné médaillons de pâté en croûte avec leur garniture de tomates printanières, ananas et eau minérale. Cette machine est vraiment stupéfiante. Ah là, vous avez entièrement raison, Sadie. Ce cuisinomatique est tout simplement une pure merveille. Il permet de répondre aux besoins nutritifs essentiels tout en prenant en compte les goûts personnels de chaque enfant. Ben adore le pâté en croûte. Il aura du pâté en croûte. Mais il sera 100% bio et servi avec des crudités afin que le repas soit équilibré. Van raffole de la cuisine légère. Le cuisinomatique va lui en préparer, mais tout en s'assurant qu'elle recevra bien tous les nutriments dont elle a besoin pour rester en bonne santé. Oui, eh bien moi je préfère mes tubes de nutriments de synthèse condensée. Une seule cuillerée de cette substance équivaut à un repas entier. En plus, fini la question du choix du goût où ce produit n'en a aucun. Manger n'est qu'une perte de temps. Un temps que les élèves pourraient passer à être punis... à étudier. Eh, hey, mais dis donc, Newton, c'est quoi ce menu? C'est le cuisinomatique qui décide, pas moi. Et ce robot cuistot, tu l'aurais pas un peu aidé dans ses décisions par hasard? Pas du tout. Non seulement tu transgresses le règlement de Pinkerton, mais en plus pour le faire tu utilises nos gadgets. Oh, ça par exemple? Le cuisinomatique doit mal fonctionner. Je vais tout de suite aller le débrancher, ça pourrait être dangereux. Non, monsieur Soper, ce qui arrive c'est pas de la faute de la machine, c'est de la mienne. Tout de même, Newton, décoder le programme ultra-verrouillé de cuisinomatique et risquer ta santé pour des sucreries? C'est là une très grande preuve d'immaturité. Tu me déçois énormément, Newton. Et bien que je n'aime pas ça, je n'ai pas d'autre choix que de te punir. Chaque jour, pendant une semaine, tu mangeras le même menu que l'un de tes camarades. Tu te rendras compte qu'il existe un grand nombre de plats qui sont à la fois sains et délicieux. Vous appelez ça une punition? Oh, moi, à votre place, je l'aurais privé de repas pendant toute une semaine. Elle est bien bonne celle-là, Sadie. Vous nous voyez faire ça, ce pauvre Newton? Non, si on le privait de manger, ses capacités physiques et intellectuelles s'en trouveraient amoindries. Il deviendrait un pantin. Il serait esclave de son estomac. Un esclave qui serait prêt à faire n'importe quoi pour une bouchée de pain. Vous savez bien qu'il m'en restait une. Oh, mais c'est la dernière. À moins que... Yeah, yeah, yeah. Si seulement je pouvais enfin trouver, inventer un procédé qui me permettrait de créer des bons becs à profusion. Si seulement je pouvais inventer un plan que personne pourrait déjouer, qu'enfin tous ces petits morveux viennent me manger dans l'âme. Si seulement la viande et tous les légumes, ainsi que le pain et les jus d'agrumes, pouvaient se transformer en gâteaux au chocolat. Si seulement les frites, les saucisses, les yaourts aux fruits, les petits suisses n'étaient plus les bienvenus dans leur estomac. Super méga concentré bonbon, ou des délicieux desserts en potion, des trucs qu'on aimerait manger encore et encore. Je crois que ce serait ça la solution. Je viens d'avoir une super idée pour affamer ces petits carnassiers. Il me
faut juste un simple DVD. Oui, enfin, un simple DVD, un tantinet modifié. Eureka, je suis vraiment un génie. Il est temps de se mettre au travail. Et quand viendra l'heure du prochain repas, je pourrai enfin savourer ma victoire. Je pourrai savourer ma victoire sans aucune modération. Eh ben alors, Newton, tu dors ou quoi? T'as déjà loupé le petit-déj et le cours commence dans 5 minutes. C'est bon, j'arrive. Monsieur Sopper, je viens de recevoir un documentaire formidable sur le canard musqué. Voulez-vous le regarder avec nous? Sur le canard musqué, dites-vous? Oh, avec plaisir, ça dit. J'espère que cela va vous plaire. Le Carina moschata, plus connu sous le nom de canard musqué ou encore canard de Barbarie, appartient à l'ordre des ansériformes, et plus précisément à la famille des anatidés, qui comprend également les oies et les cygnes. Son bec est en majeure partie noir et tacheté de blanc. Cependant, il peut être de couleur rosée dans la partie subterminale. C'était vraiment passionnant. Purée de carottes au cabillaud, mon plat préféré. Je suis sûre que tu vas adorer. Ça a exactement le même goût que la crème caramel. Génial, ça veut dire que ma potion fonctionne. Maintenant, tout ce que je mange a le goût de dessert. Eh ben, elle a un drôle de goût, ma purée, aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, je raffole des spaghettis, mais là, alors, ça ne me dit rien, mais rien du tout. C'est bien mon infusion de fenouil et thé vert que je prends tous les jeudis. Mais là, j'ai envie de vomir. Oh, c'est pareil pour moi. Et pourtant, je t'assure que j'ai super faim. Croyez pas que c'est un coup de Macbeth. Mais tu crois vraiment qu'elle a pu tous nous piéger comme ça sans qu'on s'en rende compte? Mais ce serait pas la première fois. Mais là, ça se peut pas. Si Macbeth avait traficoté la nourriture, alors Newton serait touché, tout comme nous. La photosynthèse permet donc aux plantes d'exploiter l'énergie solaire, ceci afin de... Désolé. Décidément, les choses sont de plus en plus bizarres. Normalement, je devrais me jeter sur ces spaghettis, c'est vrai, j'ai tellement faim que mon ventre a gargouillé pendant tout l'après-midi. Cette faim, ça me donne le tournis. Monsieur Sopper, vous devriez aller vous allonger quelques instants le temps que j'appelle un docteur. Oh non, dites-moi que je rêve. Ça me fait la même chose avec ma soupe miso. Oh, c'est trop bon, on dirait du chocolat fondu. Oui, enfin, ça ressemble si on a beaucoup d'imagination. Mais comment ça se fait que tu es le seul à pouvoir manger, hein? Je sais pas trop. Peut-être bien qu'à force de manger vos plats préférés quasiment tous les jours, vous finissez par être écœuré. Alors que moi, je les mange pour la première fois. J'ai l'impression que tu nous prends encore pour des imbéciles. Donc, si je comprends bien, Newton, grâce à la potion que tu as concoctée, tout ce que tu manges a un goût de dessert. Oui, mais c'est pas ma faute. Les desserts, c'est tout ce que j'aime. Le bon côté des choses, c'est que maintenant, grâce à ma potion, eh ben, je mange de tout. Tu dois avoir très faim, mon pauvre petit Daryl. Tu veux goûter à ça? Ça n'a pas le moindre goût. Et vous avez vu, je l'ai pas recraché. Et j'ai aussi moins faim. Encore. C'est entendu, Daryl. Je vais vous en donner encore, mais uniquement si vous dites à Bert qu'il est un gros crétin doublé d'un idiot. Vous préférez être affamé, peut-être? Un garçon qui n'est pas vraiment, vraiment, vraiment intelligent. Tu vas voir. Allons, lâchez-le, Bert. Et vous aurez une autre cuillerée. S'il vous plaît, madame, encore. D'accord, je vous en donnerai, mais uniquement si vous laissez Daryl s'exprimer. Reprenez depuis le début, mon petit.
Tu sais quoi? Tu n'es rien d'autre qu'une espèce de gros débilo sans cerveau et t'es encore plus bête que les plus bêtes des débiles. Merci Marie. C'est très bien. Vous voyez, quand vous obéissez... On va en avoir plein, s'il vous plaît. Moi, j'en veux plus. Bien sûr. C'est promis, je vais en donner à chacun d'entre vous. Mais à une seule condition. Magrès est la meilleure professeure de l'école. Avec plaisir, je ferai mes 8 heures de colle. Magrès est la meilleure professeure de l'école. Avec plaisir, je ferai mes 8 heures de colle. Vous n'avez toujours pas faim? N'ayez crainte, ça viendra. Faut absolument qu'on arrête tout ça au plus vite. Ah ouais? Et comment on va faire? J'ai tellement faim que j'arrive pas à réfléchir. Et si Newton nous refilait un peu de sa potion, hein? Comme ça, on serait plus affamés, tout comme lui. Non, hélas, ça marchera pas. Réfléchissez un peu. On est tous dégoûtés par les plats qu'on adore d'habitude. Or, tout ce que mange Newton a le goût des desserts qu'il adore. Donc, logiquement, il devrait être encore plus dégoûté que nous. Bah, c'est vrai, t'as raison. Le fait que je ne réagisse pas de la même manière que vous n'a rien à voir avec ma potion. Il y a autre chose. Je dois absolument trouver ce que c'est. Un pec. Comme ça, nous, on va pouvoir aller en colle de manière à manger. Quoi? Vous voyez peut-être une autre solution? Réfléchissez, si on se laisse mourir de faim, on sera incapable de faire quoi que ce soit. Magrès est la meilleure professeure de l'école. Vive les devoirs, les punitions et les heures de colle. Non mais vous vous rendez compte? Elle nous a obligés à copier 1 million de fois Macbeth et mon idole. Oh là là, j'ai le poignet en compote. Tout ça pour avoir droit à une petite cuillerée de nutriments de synthèse en plus. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai encore faim. Hé, hey, je crois que j'ai trouvé une piste. Macbeth vous a sûrement eu pendant son film sur les canards. D'abord parce qu'elle nous montre jamais de film, et ensuite parce que c'est précisément le seul moment du cours où j'ai dormi. Et est-ce que tu sais comment elle a fait? Non, pas encore. Je vais avoir besoin de vous pour faire diversion auprès de Macbeth demain pendant son cours. Après, j'en saurai plus. Alors, soyez patients. D'après le médecin, il s'agit d'une grippe intestinale extrêmement contagieuse. Tous les malades doivent rester à l'isolement total afin de réduire au maximum les risques de contamination. Mais Pinkerton, les enfants... Allons, rassurez-vous, monsieur Soper. Je gère parfaitement la situation. Oh, merci, Sadie. Franchement, parfois, je me demande ce que je ferais sans vous. Bon, très bien. Maintenant, je vais vous faire un petit cours de bonne manière. Un élève parfait, ça ne bouge pas et ça se tait. C'est pourquoi vous allez rester tous immobiles et muets pendant 5 heures, d'accord? Ou sinon, pas de beauté. Allez hop, exécution! Zéro, tu me reçois? Rejoignez-moi au QG sans plus attendre. Venez voir, j'ai analysé le DVD. Si on passe les images au ralenti, disons au millième de seconde, on s'aperçoit que le film a été trafiqué. Macbeth y a inséré des messages subliminaux. Tenez, comme celui-là par exemple. La viande et le poisson, c'est caca boudin. La purée, les pâtes et les frites, c'est caca boudin. Les yaourts, les gâteaux et les glaces, c'est caca boudin. Très spirituel, il y en a beaucoup comme ça. Elle en a enregistré 13 172 pour être absolument sûre qu'on soit dégoûté de tous les plats qui existent. À vitesse normale, tes yeux réussissent à voir le message. Et ils enregistrent l'information sans que tu t'en rendes compte. Ensuite, ils l'envoient directement au cerveau. Dans ce cas, ce qu'on doit faire, c'est retrafiquer le film avec des messages inversés pour que tout redevienne comme avant. Bah, en fait, on peut pas. Macbeth a tout prévu. Regardez le dernier message subliminal. Moi, ça dit Macbeth, je suis la seule à pouvoir modifier tous les messages. Il faut qu'on l'oblige à changer elle-même ses messages. Et pour y parvenir, on doit trouver pourquoi Macbeth a horreur de la nourriture. Si on veut le découvrir, il va falloir qu'on fouille sa chambre. Ah, corriger les copies, c'est vraiment la chose la plus fatigante de la journée. Et zéro. Et zéro. Et encore zéro. Oh, bah toujours zéro, hein. Trixie, un mission invisible. La voie est libre. Fouillez la chambre. Quand on a des secrets, c'est toujours là qu'on les cache. Non, Vin, ce n'est pas par là. Désolé, mais j'ai vraiment trop la dalle. Il me faut un de ces tubes de nutriments. Essayez de voir si elle n'a pas un journal intime caché quelque part. L'explication qu'on cherche s'y trouve peut-être. Zéro, le matelas.
C'est un blindage anti-corrosion en acier renforcé. Dis, tu peux me donner un coup de main? Zéro? Faut que je mange d'abord. Il y a peut-être un vieux tube de son nutriment qui traîne là-dessous. Je te parie qu'elle en a tout un stock de planqués dans ce coffre-fort juste devant moi. Trix, on a trouvé. Quoi? Ces tubes de nutriments? Non, son journal intime. Rien d'intéressant dans le premier tome. J'attaque le suivant. Sadie était scolarisée dans un pensionnat très sévère et les repas qu'on lui servait étaient des plus ignobles. Mais le règlement était strict. Il était interdit de gâcher la nourriture. Chaque élève devait finir son assiette. Tous les jours, elle restait des heures et des heures à table jusqu'à ce qu'elle termine de manger son repas dégoûtant. Cette expérience l'a tellement traumatisée que depuis elle déteste tous les plats, qu'ils soient bons ou pas. Oh, mais enfin, Wagner, qu'est-ce qui te prend? Comment ça en haut? Mon bureau? Dépêche-toi, Vin, faut qu'on sorte de là. On a trouvé le... Camouflage d'urgence, vite, alerte rose et verte. L'équipe de mission invisible, cette fois vous êtes faits, les petits lapins. Je vous préviens, si vous essayez de vous échapper, je mets tout le monde au régime sec. Il n'y aura plus rien à manger pour personne. Mais si vous vous rendez, c'est promis, j'oublierai toute cette histoire. Et en prime, vous aurez droit à un tube de nutriments. Un tube en entier? Vin, Zéro, vous devez résister. Essayez un peu d'imaginer une bonne lampée bien nourrissante, hein. Ne bougez pas, je vous apporte ça tout de suite. Désolé, Newton, mais on ne va nulle part. Il faut que je mange. Zéro, non. Bon, surtout pas de panique. Hein? Tu ne peux pas faire attention, Daryl. Oh, pardon, madame. Donne-moi ça. Et puisque tu es si étourdi, tu seras privé de repas en tube jusqu'à demain. Newton, j'ai remplacé son tube par un autre. Bon, voilà ce que vous allez faire. Newton, tout va bien? Ouais, si on veut. Allez, venez me voir, mes petits lapins. Il est temps de montrer vos visages. Enlevez-moi ces masques, idiots, et je vous donnerai à manger. Arrêtez! Ne faites pas ça! Son nutriment a un goût de caca boudin. Cette affirmation est totalement infondée. Il s'agit d'un nutriment certifié de premier choix. Je peux vous garantir qu'il n'a pas le moindre goût. En voici la preuve. Berk! Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Éclair au chocolat! À moins que ce ne soit Charlotte aux fraises. Vous venez de boire une potion ultra puissante qui donnerait un goût de dessert à tout ce que vous mangerez pendant les 8 prochains jours. Vous allez voir, je vais vous... Vous allez tranquillement nous laisser partir et ensuite vous irez modifier tous vos messages subliminaux de manière à annuler les anciens. Et en échange, je vous donnerai l'antidote à la potion. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je hais les types de mission invisibles. Ma chère Sadie, je dois avouer que votre documentaire sur les grenouilles de Sibérie était réellement passionnant.
Pour un peu, je croirais que c'est le visionnage de ce film qui m'a permis de retrouver l'appétit. Vous ne mangez pas? Où est votre tube? C'est bon, personne ne se souvient plus de rien? Non. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit de fermer les yeux à la fin du documentaire de Macbeth. Le dernier message subliminal, c'était d'oublier tout ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures. Alors maintenant, on peut donner l'antidote à Macbeth? Tu vas quand même pas lui donner comme ça devant tout le monde? Bien sûr que non, son antidote, je lui ai déposé sur son bureau. Celui-là, il est pour moi. J'ai décidé de faire ma punition à la régulière. Et puis, je commence à être écœurée de manger tous les jours les mêmes goûts sucrés. Il est temps pour moi que je mange de tout! Oh, du boudin noir aux pommes! Eh ben, quand je pense que c'est ton plat préféré, Vin! Bah! Oh, bon sang, manger ce plat, c'est vraiment pas du gâteau! Donc, pour conclure, on peut dire que nous avons tous un plat préféré. Mais attention, avoir un plat préféré ne signifie pas qu'on peut en manger tout le temps. Sinon, qu'est-ce qui arrive, monsieur? Eh bien, disons que cela peut entraîner tout un tas de conséquences plutôt fâcheuses. Tenez, prenez par exemple quelqu'un qui mangerait trop de piment. Tout d'abord, la sensation de brûlure serait insupportable. Mais on peut toujours boire de l'eau pour refroidir son estomac, monsieur. Justement, non! Au lieu de dissiper la douleur, l'eau la diffuse dans tout le corps. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Manger du pain. Oui, c'est exact. La mie de pain et d'une manière générale les céréales permettent de calmer la brûlure du piment. Mais il faut surtout ne jamais manger de pain juste après avoir bu trop d'eau. Car sinon, sous l'effet de l'eau, justement, le pain stocké dans l'estomac gonfle comme une véritable éponge. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela peut provoquer un grave dérèglement. Trop de pain, trop de piment, trop d'eau, on commence par une bonne indigestion et on finit souvent par une colique plutôt carabinée. Bien sûr, tout ceci n'est qu'un exemple. Un exemple pas très réaliste d'ailleurs.